Ah, dur, Bernie, j'espère que tu peux te reposer. Thor, tout le monde veut que j'augmente le Tonitrus, ok. Nice. Ok. On va voir ce que ça fait par la suite. Je vais regarder par rapport aux gemmes. Attendez, je vais regarder aussi un truc. J'ai plus. Je vais regarder juste les gemmes. Parce que je sais que j'en ai eu d'autres. Plus 9 sur Tonitrus, quoi. What the fuck, c'est quoi ça? Attends, j'ai quoi moi actuellement? Effet poison. Attaque physique. Ajouter plus 4,2% à 16,5% d'attaque. Ah non, ça y est déjà de base. Ok. 18% d'attaque physique. Ouais, ils prennent très très cher, j'avoue, vieux mal. Et le canon, c'est vrai que je l'utilise pas trop trop quoi. Je l'utilise pas. Je l'ai augmenté, je l'ai bien bien augmenté. Mais là, j'ai pas la possibilité de le faire. Ça là, je l'avais pas cette gemme. Et humide. Oui, je vais le faire, sap, carrément, mec. Carrément, carrément que je vais le faire. C'est quoi, on va tester? On va tester, on s'en bat la rousse. Ça va la rousse, pardon. Je vais tester les gemmes. Ah, mais du coup, ça m'enlève. Moi, je veux garder le plus 16% en foudre. Je m'en bats la rousse du reste. Ouais, je vais garder le plus 16% en foudre. Sur la hache, tiens. Ça fait un moment que j'ai pas augmenté aussi. Eh ouais, putain, parce que je le délaisse la hache. Je délaisse la hache et il faudrait pas que je fasse ça. Ah, je perds en. C'est quoi que je perds? Salut Faliceas, ça vaut quoi? Je me perds un petit peu dans toutes ces runes et tout, dans toutes ces runes. Je vais pas vous mentir, j'ai tellement peur de faire le mauvais choix à chaque fois. J'ai pas mal d'augmentation. Ça c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez m'indiquer c'est quoi le logo jaune en bas, s'il vous plaît? Là, je sais qu'il y a les monstres tout en bas. Je suis à 112 sur les monstres. Là, j'augmente de 100 à 114. Mais c'est quoi le logo en fait? Ça correspond à quoi en fait? C'est quoi comme sorte de mob? J'arrive pas à saisir. Passez une bonne soirée, Komog. Ça va tranquille, Falicéas. On est là. Hein. J'arrive pas à savoir ce que c'est. J'arrive pas à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire, le petit logo jaune? J'arrive pas à descendre en plus. C'est juste sur la droite là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quel dégât en fait? C'est. Putain, c'est devant mes yeux, j'arrive pas à le voir, je suis désolé. Boomerang. C'est dur. C'est un boomerang. C'est les attaques de boomerang, gros. Les reptiles, les insectes. Ok. Il n'y a pas de souci, Falicéas, on est toujours là. Hein. Tranquille, pose-toi tranquille, gros. Va chercher à manger, à boire. Posey. Ah, contre les serpents. Ok. Ouais, j'essaye, Tan. Et bonsoir à toi. Mais ça veut pas descendre jusqu'à là, en fait. Ah, d'accord, ok, en fait, peut-être. Contre les cosmiques et les monstres lourdement transformés. Les cosmiques. What? Les cosmiques? Ouais, c'était comme ça, frérot. Again and again. Toujours pas? À 10 points. Oh non, je suis une merde, putain. Bon, c'est pas grave. Vas-y, on y va. Salut, Kinou. Par contre, please.
Je ne sais plus du tout où est la zone en fait. Vieil atelier abandonné. Il n'y a pas de truc. Je sais pas comment je vais faire pour retourner sur la zone. Ça, c'est bête. Il n'y a pas d'autre zone ou quoi? Star Wars. Du saucisson. Au crâne. Ouais, une sorte de créature mythique. Ok, ouais. Je vois un peu le délire. Je sais pas, ça a l'air d'être... Château d'année par... Ah merde. J'ai pas vu gros. Honnêtement, je vais pas te mentir, j'ai survolé un petit peu le truc, j'ai pas... Para, tu penses faire le DLC de Dragon Age? Putain, évidemment que je vais le faire gros. Évidemment que je vais le faire, j'attends que ça en fait. J'attends que ça de finir Bloodborne, je vais pas vous mentir, je suis vraiment en kiff sur Bloodborne. Mais dès qu'on a fini Bloodborne, on va s'attaquer à tous les DLC qui sont sortis là, c'est trop. Il y a trop de trucs qu'il faut que je termine, il y a trop de DLC qu'il faut que je fasse. Petite déception quand même. Pour Dragon Age, il faut savoir que genre tu incarnes pas ton personnage principal. C'est où ça? Je suis même pas obsédé gros. Tu n'incarnes même pas ton personnage en fait, tu incarnes un personnage lié à une histoire en fait dans le passé, si je dis pas de conneries. Du coup ça pique parce que genre, je me suis cassé la tête à EP mon perso. Et pour justement tous ces DLC, et au final ils te font faire des quêtes qui te font prendre d'autres persos. Mais bon ça c'est encore une autre histoire. Là on est sur Bloodborne, excusez-moi je suis en train de me servir un petit coup. Tu vas faire Dark Souls 2 en live, évidemment, en gros. Donc, tu m'as dit que c'était quoi Château d'année. J'arrive même pas à le voir, gros. Ah, Château d'année. Bien joué, gros. Bien joué. Bien évidemment que je ferai en live, Georges. Bien évidemment, en gros. Les gens vont mettre mort de rire. Tu vois le compteur de mort, là. Je pense qu'il va... Il va augmenter, tu vois. J'ai hâte. J'ai le Borderlands aussi, le DLC. Putain, c'est un truc de fou. Trop de trucs à faire. Trop de trucs à faire. De toute façon... La liste est directement sur YouTube, n'hésitez pas à aller faire un petit tour comme d'habitude l'équipe. Twitter, Facebook, tout le trarara. Tout le trarara. Ok. J'aime bien recommencer une zone quand j'ai plus rien, tu vois. Genre je suis tranquille. Écoute 111. Genre je meurs, quoi qu'il arrive, je m'en bats la race. Tu vois le délire? Ah tu incarnes ton perso? Ils nous auraient menti. Moi je sais pas, dans les news, les reviews que j'ai lu, on m'a dit qu'on incarnait un des persos. On m'a dit, j'ai lu qu'on incarnait notre perso. Alors après, oh putain, si tu incarnes ton perso, c'est trop fat. Arrête de pleurer bébé, j'arrive. Ok, pour toi j'ai le remède. J'ai le remède qu'il vous faut. Un petit coup de hache bien placé. Non, cette arme n'est pas cheatée. Je suis une dinde quand je fais ça. Il est énorme le DLC. Énorme cercle. Ah mais j'imagine qu'il est énorme gros. Alors je suis désolé pour le... What? Oh, mon frère. J'ai un truc dans le cou là. Elle est où la vieille qui m'a fait ça? J'ai une marque. Je suis damné. Elle est où la vieille qui m'a fait ça? Je t'ai vu. C'est toi qui fais cette marque? Coquine. Un signe égyptien, est-ce un signe? Tu veux faire le ménage et tu ne sais pas comment faire? Je t'invite à acheter cette hache. Ménage garanti.
Soit maudit sur 25 générations par an. T'es un salaud. Salut Castor, ça va quoi? Ouais, j'avoue. Ça c'est un très très bon truc que tu dis. Les mobs de merde sur ce jeu te font très 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 mal. C'est abusé. Et j'ai l'impression que ces mobs te font plus mal des fois que de véritables boss. C'est abusé, c'est, je le jure hein. C'est dur de dire ça mais c'est la vérité. Bon, le petit truc la hache essuie tout. Oh. Oh, Evelyne, mon ami. C'est qui ça, Evelyne? C'est quoi Suzy? Ok, on vient de débloquer Evelyne. Nice, bien joué. Si tout va bien alors Castor, ça va. Tranquille la famille. On vient de débloquer Evelyne. Ok, tu vois là, genre, j'aurais trop aimé un mur invisible, tu vois, genre fou. Qu'est-ce qui se passe? Evelyne nucléaire. Ça y est, ça y est. Monsieur propre, monsieur propre. Ouais, Dino, ça va quoi? Mais oh, sur ma vie, elle était en train de nettoyer un truc, elle. Ah, il y avait une échelle là, non? Je l'ai pas vu. Tu vois comme quoi je suis un putain de mec aveugle. Ah, peut-être c'était pas là. Hein. Nettoie les carreaux, t'as raison. Nettoie les carreaux. Oh, nice. Yes. Ça, c'est fat. J'adore. C'est quoi l'histoire des murs invisibles? Ben dans Dark Souls 2, il y a pas mal d'endroits où... qui renferment des petites trappes secrètes en fait. Et en fait, dans ce jeu, on ne sait pas s'il y en a. Donc jusqu'à ce qu'une personne trouvera peut-être un mur invisible, ou peut-être que les développeurs l'ont dit, From Software, dans celui-ci, il n'aura pas de mur invisible. Non mais qu'est-ce que je fais? Die, bitches. C'est stressant les... Oh putain! Tu vas mourir! En fait non, il faut que je sorte la hache de Monsieur Propre. Je vous ai dit, c'est trop. Cette hache, c'est trop. C'est la vie, les gars. C'est le château de la Belle et la Bête, c'est ça, ex. Oh oh, d'ailleurs, j'ai trouvé une petite trappe. Est-ce que je vais sauver Blanche-Neige? Ok, on y va pas tout de suite. C'est ce fameux château que je te parlais hier, gros. Ce fameux château, on y est. GG pour tes deux persos 80, frérot. GG. Oh putain, elle m'a posé la mort sur le cul. Ouais, d'accord, on en parle de... C'était bugué pour elle, ça, Muskin, hein, franchement. Voilà, il y a pas mal de petits trucs, hein. Ok. Je suis passé par où, moi, déjà? Parce que c'est pas que je vais me perdre, mais presque. Tu l'as envoyé en enfer. Salut Rinvis, ça va quoi Rinvis? Comment je vais faire pour monter? Sachant que... Tac, 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 tac. Arrêtez avec le bébé, s'il vous plaît. Ah, tu te l'es fait, ex. Tu as fait la sorcière sur Bloodborne. GG, frérot. GG, GG, GG. Gros GG. Cette bitches là qui rend fou. Les sorcières là, les deux cousines infernales là. Le but c'est d'aller sur le toit, para. Ouais, 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 t'inquiète gros, t'inquiète. J'ai cru comprendre que c'était ça le but. Le problème c'est que je regarde s'il n'y a pas des choses intéressantes à prendre ou que j'aurais pu rater. Donc là, bien évidemment, on va passer par la fenêtre. Oh, je t'avais pas vu.
Salut. Avant de prendre quoi que ce soit, si t'as des popos sur toi, nice, ça m'arrange. Ok, c'est la seule fenêtre qui... Oh, d'accord, ok, hop. Par la fenêtre, two bitches. Qu'est-ce qu'ils font là, poster eux? Vous pensez que je peux y aller là? Si, si, je peux y aller, mais je... J'ai peur que si je tombe là, c'est die pour moi. Hein. Je tente ou je tente? Ça me l'air. J'aurais dû sauter, dommage, c'est pas grave. Le fail. Le fail. Dans ce jeu, j'ai dû mourir au moins 20 fois à cause de fail. Je n'arrive pas à sauter d'une zone. J'ai oublié que le raccourci, en fait, il n'y a pas la trappe. Du coup, je tombe dans la trappe. Oh putain, quoi. Éteins les lampes. Ouais, c'est pas bête. T'as fait un plat. Allez, va vite récupérer tout ça. On peut passer au moins par là ou pas? Est-ce qu'on peut passer au moins? Est-ce que j'ai une chance de passer par là? RIP. Je vais devoir rager comme dans The Crew. Genre, en gros, tu peux pas rager dans The Crew, arrête. C'est sérieux ou quoi? Pourquoi tu ragerais dans ce coup? Wow, 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 on se calme les filles, ok? Il est venu le temps de vite partir. Là. Ouais, mais je m'aventure dans des endroits, je sais pas si... Oh putain, je peux plus revenir, quel con. Ah, c'est la même, on arrive où là? Il y a un mécanisme, non? Ah, une sorte de mécanisme, ça fait chier. Et là-bas, ça mène où? Ah ouais, d'accord, ok. Vas-y, y'a pas de soucis, vieux mal. Passe une excellente soirée, frérot. Ok, non. J'accepte pas le combat. Surtout pas des combats comme ça au bord de falaise. En plus, tu m'envoies des kamehameha, genre. Je suis revenu là. Oh fuck. Ouais, jean et croissant, ouais, ça fait mal. Ah, ça a l'air d'être un couvent, pas belle. Ouais, pas bête. Ouais, pas mal le raccourci, mais il sert à rien en fait. Non, à quoi il sert ce raccourci? Concrètement. C'est une nouvelle zone ça? J'arrive pas à déterminer si c'est une nouvelle zone ou... Si, si, c'est une nouvelle zone, ok. Ah non, mais je suis une merde. Oh,
ok. Il y a des coffres là-bas. Chist. Des gants de bourreau. Ta gueule, pardon. Oh, tenue de chevalier, gants de chevalier, bas de chevalier. Ok, une petite tenue, ça fait toujours plaisir. Pourquoi tu cours, toi? Pourquoi tu cours? Ah, c'est une galéluia! Yo, oublie pas l'échelle par là. Ah, l'échelle tout en bas? Ok. On se remet sur les tours d'être 2. Ah, mort, c'est ça en plus. Donc, du coup, en fait, ça nous ramène là. Et là, du coup, en fait, j'ai débloqué l'échelle. Qui se trouve ici. D'où l'intérêt en fait de... Elle est où cette fameuse échelle? Oui, j'arrive plus à la retrouver. Ah, elle est là. Putain. Pff, un truc de fou, mec. Ok. Donc elle est descendue juste en bas, ok, ok, ok. Juste pour vérifier, c'est bon l'équipe. Je suis désolé, hein, je suis un petit peu chaotique. J'ai travaillé ce matin, j'ai dormi que 3 heures. Donc, voilà, normal. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Donc je pense qu'on va se la donner grave. J'aimerais juste, en fait... Quand je descends comme ça... Mais merde, elle était là l'échelle, what? Oh putain, oh putain! C'est quoi ça? Ah mais je suis déjà allé, quel con! C'est mon raccourci. Ouais, pour vous dire que je suis fatigué. À quel point je suis fatigué? Mais en fait, elle me casse les couilles, elle. Vous savez quoi? Vous savez quoi? J'arrive pas à la trouver en fait. Pourtant elle est juste à côté de moi. Attends, 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 vas-y, tu sais quoi? Laissez-moi tranquille. Ouais, d'accord, ok, ok. Oh non, non, non. Il m'a arrêté une fessée. Tu mérites une fessée, madame. Tu sais ce que ça veut dire? Ah, ça c'est injuste. Franchement, ça c'est injuste. Bon, après, même eux, ils peuvent pas le faire, quoi. Quand je suis à terre, ils peuvent pas t'attaquer. Donc, je peux comprendre que moi aussi, quand je suis, quand elles sont à terre, je peux pas les attaquer. Laissez-moi juste me concentrer, je veux trouver l'échelle, elle est devant moi, j'arrive pas à la voir. C'est un truc de fou. C'est un truc de... Je deviens maboule, les gars. Je deviens fou. Sur ma vie, je deviens fou. Oh putain. Oh le GG, je veux voir le GG les gars. Je veux voir le GG. Oh, j'arrivais pas à trouver cette putain d'échelle. Désolé l'équipe.
Oh, gros, réveil. Un petit peu d'ice tea. Normalement, c'est pas de l'ice tea en fait, c'est du whisky. Salut, Lil Wax. J'arrive au bon moment du jeu, gros. J'ai trouvé une échelle sur le jeu. C'est fat. Franchement, il est fat ce jeu. Là, le GG. Y'a tout le monde qui a envoyé le GG en plus. Vous êtes des salauds. Ah, putain. Joyeux sanglant. Oh. Joyeux sanglant chaud. Pourquoi pas? Vérification des lieux. Bien évidemment, avant de bouger. C'est quoi ce bruit? Oh putain! Nice! C'est bon ça. Je sais pas s'il y a toujours Georges, mais ça c'était les fameuses bêtes qui disparaissent dans Dark Souls 2. Que je t'ai vu tout à l'heure essayer de les attraper. Tellement HD les échelles. Bon, derrière. Une petite question, les gens. Pourquoi le stuff que j'ai acheté avec les points de lucidité au PNJ n'arrive pas à l'utiliser? Le bouton reste grisé. Alors là, c'est une très très bonne question. En gros, je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé. Mais ça peut m'arriver. Donc, s'il y a des personnes ont les réponses à ta question, je pense qu'ils se feront un plaisir de te répondre, gros. Hop, l'araignée bonus, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir cette petite araignée. Et tout à l'heure, je l'ai vu, l'ancienne araignée, quoi, qui représente aujourd'hui cette petite araignée bizarre. Je l'ai vu tout à l'heure sur Dark Souls, sur le live de Georges, et elles étaient beaucoup plus vives sur le live de Georges. Je peux vous assurer que sur Dark Souls, elles sont deux fois plus vives. Donc, de toute façon, hein, je peux vous assurer, je pense que vous l'avez fait, il n'y a que moi qui n'ai pas fait ce jeu. Oh mon dieu! Oh mon dieu, oh qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce que c'est que cet endroit où on est sur un toit normal? Normal! Une perruque de chevalier, pourquoi pas? Il y a un truc qui tombe, je sais pas où il est. Ok! Par contre, sans pitcher, je suis désolé, mec. Oh, il m'a fait mal aux oreilles. Le petit coquin, il m'a fait mal aux oreilles. Oh là là, mais attends, il faut aller où là? C'est un endroit où tu te bats contre un boss, ça. Ok. Donc, c'est bon à savoir. Je vais me friter contre un boss. Alors si je connais le pattern, ça veut dire que je vais mourir déjà d'entrée, c'est ça? Bon, je suppose que c'est là, hein, vu qu'il n'y a pas d'autre chemin. Oh viol. Oh viol. Tu es? Oh! T'es sérieux, il faut passer par là? C'est quoi ce délire? Genre le mec s'est tapé un délire, s'est dit ouais vas-y. On va le faire passer par des endroits improbables. Oh les shit, tout ça. Et là, on monte des échelles et on monte des échelles dans Bloodborne. Et on monte des échelles dans Bloodborne. Ok, c'est magnifique. La marque du chasseur téméraire. Ok. C'est presque ça, GK. En tout cas, ça a l'air. Le mec, s'est tapé un gros délire, c'est du bon. Ok, on va mettre des petits endroits comme ça, hop, hop, hop. Oh putain. Je le vois ton boss. Ok, sors les jumelles, j'arrive.